Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Griotte, femme forte, femme d'influence. C'est ainsi qu'on pourrait qualifier Émilie Bilon. Elle est pionnière dans le domaine de la beauté et de l'esthétique. Elle est surtout pionnière dans le domaine du bien-être en Afrique. On regarde. On pourrait dire que ses journées s'achèvent par du sport. Tous les soirs, elle exécute le rituel. Le sport chez moi, c'est 5 fois par semaine. Il n'y a que le samedi que je ne fais pas de sport. Non, je ne peux pas vivre sans sport. Je vais me détendre, surtout que j'adore danser. Donc, je fais des cours de danse et puis je marche un peu sur le tapis. Émilie Bilon est chef d'entreprise, professionnelle du bien-être. Elle doit en avoir le reflet. Après une journée marathon, le sport permet à notre glamoureuse de garder la forme. D'ailleurs, toutes ces journées se passent comme ça. Des rendez-vous d'affaires en n'en plus finir. Désolée, j'ai un entretien d'affaires, vous ne pouvez pas entrer. Dans son domaine, elle se distingue. Cet amour entre Émilie Bilon, le bien-être et l'esthétique a commencé tout à fait au hasard, car plus jeune, elle rêvait d'être médecin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. J'avais transporté le savoir-faire des Anglais ici, que ce soit sur l'hygiène et c'était moi, c'était sur rendez-vous, voilà, ça marchait. Et puis il n'y avait pas de concurrence quand même, non, il y a quand même pas mal de salons. C'est ainsi que commence sa formation en esthétique. Mais après son apprentissage, c'est au tour de sa famille de ne pas comprendre ses choix. Il y a mes frères, moi je veux rentrer tu sais ce que j'aimerais faire, c'est pour ouvrir mon institut de beauté. Alors à l'époque, je ne comprenais pas l'institut, il dit c'est quoi l'institut, il dit le salon. Pour faire simple, j'ai dit un salon. Il me dit quoi, salon de coiffure? Tous les jours, elle arrive très tôt au bureau, une seule chose en tête, savoir comment gérer son emploi du temps très chargé. Une fois à son bureau, elle peut s'occuper des clientes dont les rendez-vous sont calés. J'aime beaucoup Excel Beauty Clinic. Ça fait 4 à 5 ans que je viens ici. Avant, ma peau était très sèche. Maintenant, ça va. Comme sa cliente indienne, Emily compte des fidèles de chez Fidèle depuis de longues années. Augustine en fait partie. Emily, elle, comme elle est motivée et passionnée, la technique qu'elle a trouvée pour garder sa clientèle, c'est de sans cesse innover, c'est de s'intéresser à sa cliente. Elle s'intéresse à toi vraiment comme si tu étais, le treat me like a prince. Chacune de ses clientes, à mon avis, c'est personnalisé. Un traitement personnalisé. Tu as l'impression que vraiment, elle s'intéresse à toi. Et ça, c'est important, là, cette attention-là. Ce travail acharné pour asseoir l'industrie de la beauté et du bien-être au Cameroun et dans la sous-région, elle l'effectue au quotidien. Je suis rentrée en 2002 et j'ai décidé d'ouvrir Excel Beauty Clinic. On avait un problème de gestion du personnel. Alors, chemin faisant, au bout de 5 ans d'existence dans mon institut, on a décidé de mettre sur pied l'Académie internationale de beauté, AIB, qui forme des jeunes. Je suis fière de nos résultats. Parcours tout à fait impressionnant dans son domaine, elle est imbattable. Institut, Académie internationale de beauté ou encore le 6B pour former dans l'excellence. Nous allons le dire sans risque de nous tromper, Émilie Bilon est une tête bien faite. Ce jour-là, elle entame un nouveau cours de cosmétologie sur l'épilation.
Aujourd'hui, c'était le premier chapitre en épilation, comment réaliser une épilation d'une manière professionnelle. Donc, je leur expliquais les différentes épilations qui existent, parce que nous avons les épilations à la cire, à la pince, à la lame, au fil. Ici, on utilise la méthodologie inversée. Cette méthodologie, Nadège, l'une des employées d'Emilie, la connaît bien. Arrivée chez Excel Clinique il y a 8 ans, cette esthéticienne a enrichi sa formation auprès de sa patronne. Quand je suis arrivée, la dame m'a recyclée. Donc j'ai appris tellement de soins et tout le temps il y a des nouveautés. La dame voyage tout le temps pour revenir avec des nouveautés. Aujourd'hui, Nadège est une professionnelle de l'esthétique et de l'épilation au fil. Elle s'en vante. Il y a la manière de faire les soins de visage que j'ai appris, qui était différente d'où. Et je pense que la méthode que je fais maintenant, c'est la meilleure. Il y a la microdermabrasion qu'on ne faisait pas, j'ai pas appris ailleurs, c'est ici que j'ai appris. Il y a des soins anti-âge, c'est ici que je l'ai appris. Il y a aussi l'épilation au fil, que je l'ai appris, et là c'est mon produit phare, je le fais vraiment avec amour. La formation des élèves d'AIB est autant théorique que pratique. Ce matin, cours pratique sur la fabrication des produits anti-cernes. Tu peux aider pour l'hyperpigmentation. C'est pour ça que j'ai hésité en disant anti-cernes. Beaucoup l'appellent les cernes. Quand c'est, la couleur est plus noire ici, mais normalement c'est l'hyperpigmentation. Nous avons mis sur pied une nouvelle façon de faire les fabrications de produits. Nous l'avons fractionné parce qu'on est bien conscient que les temps sont durs. On connaît les problèmes que des gens rencontrent. Pour cela, on a décidé de faire des formations fractionnées à des prix vraiment raisonnables. Les formations sont également présentées en petits modules. Nous avons par exemple la fabrication du savon avec ses dérivés. Donc on peut vous apprendre à faire au moins 10 différents savons. On va vous apprendre à faire minimum 20 différentes huiles végétales ou le lait de corps, que ce soit les produits hydratants, le lait hydratant ou éclaircissant. Ça, nous savons le faire. Émilie Bilon n'hésite pas à parler des méfaits de la dépigmentation mal négociée à ses élèves et à ses clients. L'ambition de ces formations, c'est de s'étendre hors du territoire camerounais. Ce n'est pas seulement ici au Cameroun qu'on le fera, on le fera aussi dans la sous-région, on le fait déjà. Ces formations à l'image du 6B visent également à sensibiliser et informer sur le bon usage des produits face à l'environnement dans lequel nous vivons. Le Congrès international sur le bien-être, événement lancé par Émilie Bilon en 2010, est très couru par les acteurs de la cosmétique, de l'esthétique et de la coiffure. Je suis très fière de cette idée. Je suis fière d'avoir créé cet événement ici au Cameroun parce qu'il n'existait pas. Et on a plein de professionnels qui se sont formés et des personnes, même des élèves, parce qu'il y a des écoles qui viennent souvent, qui participent au 6B. Les gens qui ont eu l'amour de ce métier grâce au 6B. Alors, c'est une plateforme où nous avions plusieurs professionnels, national comme international, qui se rencontrent et ça donne la possibilité à mesurer l'impact de l'industrie et l'engouement de cette marché, sa variété, qui est expert en quoi, qui maîtrise quoi. Les élèves surtout ont la possibilité de rencontrer des professionnels qui n'ont pas l'habitude de voir. Le 6B est donc désormais une plateforme d'exception pour les marques et les personnalités du domaine de la beauté. Ici, on touche du doigt les solutions innovantes des professionnels à la renommée internationale. La promotrice peut en être fière. Pour ceux qui ont suivi son parcours comme Angélique Twengene, adjointe au maire de Douala Premier, Émilie est un bon exemple de l'entrepreneuriat féminin.
fil des années, Émilie Bilon s'est bonifiée. Elle a sa structure à Bonapriso que moi j'ai connue, qui était déjà très correcte, très propre, avec du personnel de qualité. Mais c'était un peu plus petit, très chaleureux aussi, mais très propre surtout. Parce que j'y tiens, tout ce qui est propre, je suis particulièrement attirée par cela. Et ça m'avait marqué, je me suis dit tiens, à Douala, ça date de plus de 10 ans, hein, à Douala, on a quand même des personnes qui font attention à ce côté, la propreté, l'hygiène. L'ambition d'Émilie Bilon va croissant. Cette pionnière de la beauté et de la cosmétique réparatrice est aujourd'hui une référence en la matière en Afrique centrale. Elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans ce sillage, elle a créé une marque de produits adaptés à tout type de peau. Je me suis formée en cosmétologie et puis j'ai aussi fait une formation en esthétique médicale parce qu'il fallait apprendre la chimie des ingrédients, comprendre vraiment la peau, quel principe actif va sur quel type de peau, nous qui vivons en Afrique, quel dosage il faut mettre, quel pourcentage, bref, toutes ces choses-là. Elle a pris des initiatives inédites pour un travail de qualité dans le domaine de la beauté. Elle est aujourd'hui une professionnelle incontestée et une chef d'entreprise hors pair. Émilie Bilon est un modèle, mais ne cesse d'étoffer son cursus pour rester la meilleure de son secteur d'activité. Elle est aujourd'hui titulaire d'un exécutif MBA obtenu à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Voilà pour ce qui est de ce premier numéro des Femmes Fortes. Les Femmes Fortes sont des exemples à suivre par les autres, bien entendu. À très bientôt sur Griotte.